Bon matin! Je vais faire pause. Bon matin! Alors, on est jeudi, les enfants sont à l'école ou à la garderie. Et je m'apprête à tourner... Wow! Je m'apprête à tourner mes dernières vidéos... Wow! Mes dernières vidéos avant d'accoucher. Je m'étais fait une petite liste. Puis dans le fond, celle que je tourne aujourd'hui, c'est comme celle que je devais, comment dire, pas plus me préparer, mais tu sais que je parle directement devant la caméra. Les autres que je veux faire n'auront pas nécessairement besoin que je parle là, devant la caméra, là, fait que c'est ça. Donc, j'ai vraiment hâte de tout faire le montage de tout ça. Je sais pas si je vais pouvoir le faire avant d'accoucher, ce serait vraiment chouette. Mais c'est ça. Fait que j'essaie de vraiment comme me préparer justement là, des choses d'avance pour après que j'ai accouché, pour me laisser un petit répit. Puis j'ai plein de vlogs à monter, fait qu'aujourd'hui c'est vraiment ça là, je pense que je vais faire. Puis demain, ben je vais juste essayer d'accoucher. Mais non. Façon de parler, là. Dans le fond, j'aimerais ça comme que tout soit prêt. Genre que je puisse partir. Pas partir, mais en tout cas. L'esprit en paix, là, bref. Fait que c'est ça. Ce matin, je vais faire du tournage. Puis c'est pas mal ça, je vous dirais, pour le moment. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer tout ça. J'espère que ça sera pas trop long, parce que parfois je dis « Ah, il va voir ça sur ma chaîne », puis finalement ça sort jamais à cause d'un problème, ou à cause que j'ai pas le temps, ou à cause que ça me tente plus, genre. Fait que je veux pas parler dans le vide, puis vous faire des fausses promesses. Mais il devrait y avoir des vidéos sous peu, par rapport à ma grossesse, par rapport à la grossesse en général aussi, là. Fait que, voilà. Je peux continuer de vlogger. Je me souviens même plus jusqu'à la dernière fois que j'ai vlogué, mais en tout cas. Fred, hier, il est venu dîner avec moi. On a mangé du super McDo. Puis, on est allé chercher un super de bouche-toilette. Parce que notre toilette, elle bouge tout le temps. C'est juste l'enfer, là. Le tuyau, il est comme tout petit. Parce qu'on a une des deux qui bouge tout le temps, l'autre, c'est correct, là, mais... En tout cas, ça va moins bien, disons, comme descendre en bas durant la nuit, comme 3-4 fois pour aller faire pipi, pour la femme enceinte que je suis. Bref, fait que hier, c'est ça, je me suis vraiment donnée, là, j'ai dansé à fond la caisse le soir, je me disais, on va voir si ça fait bouger les choses ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, tout est encore très calme. Alors, ce matin, je suis allée m'acheter un tire-lait parce que j'en avais un avant. J'avais un Medela électrique qui m'avait coûté, ma foi, beaucoup de sous. Puis finalement, je l'avais vendu à une connaissance, là, vraiment pas cher. Fait que là, j'ai pris un Evenflo qui était comme le même prix que le manuel de Medela. C'est que c'est comme une pompe, là, que tu le fais toi-même. Mais il est électrique. Fait que... Tantôt, je vais essayer ça un petit peu. Un petit peu de tire-lait, puis peut-être laver mes planchers. Peut-être pas à quatre pattes, là, mais j'ai passé le balai tantôt. Puis là, il me reste à laver le plancher. Fait que je vais peut-être faire ça. Sinon, peut-être aller prendre une marche, parce qu'il fait beau dehors, là, puis c'est juste que j'étais avec les deux gars toute seule. Fait que c'est comme la seule affaire qui me fait hésiter. Parce que dans le fond, la poussette double est dans le garage et le garage est encombré de neige devant la porte. Fait que c'est ça. Mais bon, fait que ce matin, c'est ça, j'étais allée me chercher un tire-lait, puis j'étais allée acheter des choses pour faire le gâteau à Olivier. C'est sa fête le 23, ma maman elle vient en fin de semaine là, pour fêter sa fête. Puis on n'a pas invité personne d'autre.
Parce qu'en fait, mon but, c'était comme de cacher que je voulais fêter ma mère. Fait que j'avais prévu aller au resto et tout, mais là, finalement, il y a comme personne d'autre qui vient. Tu sais, j'avais invité mes frères, mais finalement, c'est ça. Il y a personne d'autre qui vient. Fait que là, on va peut-être inviter du côté à Fred, là, pour qu'il vienne manger le gâteau ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, c'est un peu plate pour lui aussi. Puis, vu que ça me tente pas vraiment d'acheter des jouets ni quoi que ce soit pour sa fête, j'ai proposé à Olivier une activité, puis ce serait d'aller aux galeries de la capitale, là, faire des manèges en famille et tout. Fait que on va peut-être aller faire ça, puis j'ai dit à ma mère d'apporter leur patin pour aller dans les sentiers à Shannon, les sentiers du parc là, en tout cas si on y va je vous montrerai ça, mais il y a des lumières et tout, puis cet été... j'avais full hâte, là, je me disais, oh, ça va être full of fun, mais tu sais, enceinte avec le gros bide, genre, je peux pas patiner, c'est trop dangereux. D'un coup que je tombe, quoique je patine très bien, là, je me débrouille, je veux dire, d'un coup que je tombe sur le ventre, non, je me le pardonnerai jamais. Puis c'est ça, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, tu sais, je peux me faire rentrer dedans puis tomber ou peu importe, fait que j'aime mieux pas. Mais n'empêche que on pourrait y aller pareil, puis je fais juste... T'sais, je fais juste pas patiner puis je reste comme où que les petits feux de camp et tout là. Fait que c'est ça. Donc ce matin on a fait ça puis là il est bientôt l'heure d'aller chercher Fred pour le dîner, fait que je vais bientôt aller le chercher. Je vais me faire une petite séance de tire-lait, voir ce que ça donne aussi. Je suis à 38 et 2. Là, vous allez me dire, oh, mais j'en ai encore très tôt. Oui, mais c'est pas grave. Si je peux essayer de faire décoller les choses déjà. Puis je sais pas si je l'ai dit, je pense que oui, mais en tout cas, mercredi j'ai eu mon rendez-vous sage-femme et je suis dilatée à 1 et fassée à 80%, puis bébé est à stade 2, stade moins 2, ça veut dire que niveau bassin, mettons le bassin c'est le 0, moins 1 c'est comme 1 cm au-dessus du bassin, moins 2 c'est 2 cm au-dessus du bassin, puis il y a comme 4 stades en haut, 4 stades en bas. Fait que c'est ça. Mais on était le matin, fait que la sage-femme m'a dit ça se peut très bien que le soir il soit à stade 0, genre, parce qu'il descend durant la journée, là, tu sais, avec la lourdeur du ventre et tout. Donc voilà, pour les nouvelles.